L'adolescent de 14 ans avait un téléphone portable sur lui. Grâce à cet appareil, le juge d'instruction a pu le localiser dans une maison à Watermal-Boisfort. Ce dimanche, la police s'est rendue sur place et a découvert le mineur disparu depuis fin de la semaine dernière. Comment s'est passée la perquisition ? Alors, la perquisition au domicile du suspect, le mineur a été retrouvé. Il a été retrouvé dans quelles conditions ? Je n'ai pas d'informations sur les conditions précises dans lesquelles le mineur a été retrouvé. Mais il y a un ordinateur qui a été saisi et sur cet ordinateur, il y a du matériel de caractère pédopornographique qui a été découvert. Le suspect de 32 ans était déjà connu par la justice pour faits de mœurs. Il a été placé en détention provisoire pour enlèvement de mineurs et pour possession de matériel pédopornographique. Quelle peine encourt-il ? Il a été mis sous mandat d'arrêt pour la possession de matériel à caractère pédopornographique et c'est une peine d'emprisonnement de maximum un an qui est mise par le code pénal sur cette infraction. Comme il s'agit d'un mineur, le parquet reste discret sur cette affaire. Mais d'après nos informations, il n'est pas exclu que l'adolescent connaissait au préalable son ravisseur.